Ami, prends ma lanterne car j'ai perdu ma flamme. Mon amour est parti, elle a jeté mon âme, a bouffé au néant, me laissant le cœur vide. Elle a fait des fertiles, des averses larides. Et l'horreur du monde n'est rien en comparaison à ce que l'amour fait, à ceux qui dans l'union pensent oublier un peu qu'on est triste ici-bas et qu'ici solitude. Et le dernier repas, elle avait les yeux noirs desquels on voit du bleu, qu'on prend pour l'océan dans lesquels on voit Dieu, qui font toucher du bout des doigts les horizons. Et toujours à la fin, on est seul au milieu des vagues de sanglots et du sel dans la gorge, ou du sel sur la plaie de ce cœur tatoué à son encre. On crie au fond des verres de vin à se dire que la vie, oui, n'était qu'une putain. Ami, j'ai le cœur lourd, j'ai le cœur qui renverse, la mémoire de ses yeux qui me colle à la peau. Et dans les bars du port, je cherche magie noire pour délivrer mon corps du sort que l'on m'a jeté. Et le sourire des filles, non, ne me fait plus rien. Et je commence à croire que les hommes qui ont pris d'autres hommes pour amour ont réglé la question. Après tout, dis-moi, qu'est-ce qu'elles ont de plus que nous, si ce n'est cette force qui fait qu'elles vous oublient, cette horreur au fond d'elles, ce monstre qui crie. Quand elles vous font l'amour, tu sais qu'elles n'oublient pas qu'il n'y a qu'à nature qu'elles ne tiennent parole à tous ceux dans leurs bras qui sont faits prisonniers. J'ai l'âme solidaire et puis ma sympathie à ces fous qui, comme moi, finiront pas la nuit. Je vous le dis, putain, ouais, vous m'aurez plu. De remettre ma tête dans la gueule du serpent, de me laisser encore crucifier le cœur pour un joli sourire au parfum de leurs fleurs, marguerite, tulipe et de rose à lilas. Tu sais, l'ami, pour moi, elles ont tout ici-bas. Quand elles montrent le ciel, qu'elles vous disent qu'elles vous aiment, elles ont toutes pour moi l'odeur des chrysanthèmes. Adieu les gentilles, adieu les gens pleurs, adieu les maudites qui ont pris ma lueur, qui ont jeté dans le noir mes yeux et puis les tiens. Contre le chant d'un cygne et les beautés qu'elles crèvent toutes, j'en peux plus. Ces jeux qui nous tuent, j'en ai marre, oh mon Dieu, de ce cœur qui ne bat plus et qui toujours s'incline aux pieds de fausses blancs qui vous mènent à la scie et qui vous traînent à la tombe. Rome. Je te laisse passer la guitare à Michel Raffin, qu'on peut applaudir très fort, notre régisseur général. Je vais te mettre sur la croix. Écoutez, monsieur, parce que après ce que vous venez de faire, je suis désolée, mais je suis obligée de vous appeler monsieur. Vous avez une interprétation qui est tellement authentique, en fait.
comment vous dire, quand on reprend une chanson comme celle-là, il faut des... Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et j'ai vraiment passé un super bon moment. Et le seul truc qui m'a un peu moins plu, c'est l'accroche. Le tout début et la toute fin, en fait, les petites envolées comme ça, qui restent encore à travailler, mais tout le reste, c'était parfait. Merci, merci beaucoup. Merci. C'est vrai que déjà, on constate une grande maîtrise de l'instrument, donc déjà, ça t'aide beaucoup, j'imagine. En plus d'être assis, est-ce que c'est un choix vraiment pour éviter Sur ce morceau-là, d'accord, oui, ça t'aide beaucoup. D'accord. Sur ce morceau, c'est un choix. Du coup, ça t'aille, par rapport à d'autres personnes qui ont un peu de mal avec la scène, toi, tu t'es dit, je veux m'asseoir, comme ça, je vais gérer ce problème, je suis bien. Non, voilà, non, mais je ne vois pas bouger sur ce morceau. Enfin, bien sûr, évidemment. Voilà. Mais au moins, tu vois, tu t'es enlevé de ça, tu es tranquille. Comme ça, tu te concentres sur ton texte, qui est un très beau texte en plus, c'est très, très bien interprété. Merci. Et, tu vis le texte, quoi, tout simplement, et tu vis la chanson de 16, donc vraiment, c'était un beau moment. Je vois que dans le public, il y en a qui ont vraiment beaucoup apprécié. Alors, ce n'est pas que ta famille, j'en suis sûr. Non, vraiment, c'était un très, très, très beau moment. Et, merci. Merci à toi pour ce moment, c'était vraiment très joli. Merci à vous. Bravo encore. Ce qui est remarquable ce soir pour toutes les propositions, c'est l'authenticité, c'est la sincérité. Ce que tu as fait là sur scène, c'était authentique, encore une fois. Je ne suis pas vraiment d'accord à l'accroche. Moi, j'ai bien aimé la fin, le début, parce que c'était pour moi une invitation au voyage. Tu nous as emmenés comme ça pour moi. C'est ça qui m'a embarqué. Après, la chanson à texte, personnellement, ce n'est pas ce que j'écoute d'habitude. Mais ce que tu as fait, c'est a fait que j'ai écouté ce que tu racontais. Voilà, je vais me taire. Bravo. Non, ben merci. Moi, c'est compliqué de s'auto. Je m'auto. Dans les points positifs, en plus de ce qu'on vient de te dire, je trouve que justement, il y a une gestuelle maîtrisée. C'est-à-dire que tu as pris le choix de t'asseoir. Voilà. Pour ce texte, et malgré tout, tu as, au-delà de jouer avec ta guitare et ta voix, tu as accompagné de certains gestes et que je trouvais vraiment à propos. Enfin, ça c'est chouette aussi. Super. D'avoir ces petits moments-là, c'est important. C'est vrai. Parfois, je sais pas quoi faire de mes bras. Et moi, je suis quelqu'un de très, je suis dans l'énergie. Ouais. Donc ça sent, genre, mais là, voilà, tu vivais, tu mais vivais non, mais le truc. Je vis tout ce que je fais, genre, voilà. Ou je fais pas. Mais donc voilà. Mais tu vois, voilà, si naturel reprend. Voilà, Beaucoup d'émotions. Je pense qu'il y a encore il y a le stress, c'est sûr, mais encore un peu de travail là-dessus sur certains passages d'interprétation. Et dans les points que je t'invite à corriger, c'est de changer de jeu de guitare. C'est-à-dire, je t'invite à soit te laisser pousser les ongles, soit d'utiliser un médiator, ouais. Parce que tu as une guitare dont tu n'exploites pas tout le potentiel, et en fait, avec la pulpe de tes doigts, ça matifie complètement le son, alors qu'avec cette guitare-là, d'autant plus avec la Gibson, les aigus vont, vont transporter ta voix encore plus. D'accord. Voilà. Enfin. Donc dans le travail de guitare à la main droite. Parce que ta main gauche, il n'y a rien à dire, mais à ta main droite, franchement, je t'invite à y mettre des aigus comme tu veux, avec les ongles, avec un onglet, un plectre, enfin un médiator. D'accord. Voilà. Ouais. Je sais que c'est un long travail, mais voilà. Oui, oui, c'est important. Voilà. Bon, moi, j'ai jamais pris de cours.